Les Yoga Sutras de Patanjali. Traduction de Jean Bouchard d'Orval. Chapitre 2. Sur la voie. Ascèse, étude de soi et abandon de soi au divin. Tels sont les aspects pratiques du yoga. Ils favorisent le samadhi et réduisent les causes de souffrance. Ces causes sont l'ignorance, le sentiment d'individualité, l'attachement, l'aversion et la peur de la mort. L'ignorance est la cause de toutes les autres causes. Qu'elle soit latente, faible, intermittente ou pleinement active. On nomme ignorance l'incompétence à distinguer le mortel de l'éternel, l'impur du pur, la souffrance de la joie et le non-soi du soi. L'égoïsme est la confusion entre le pouvoir de perception et l'instrument de perception. L'attachement, c'est l'adhésion au plaisir. L'aversion, c'est l'adhésion à la souffrance. La peur de la mort découle de l'amour spontané de la vie. Cet amour est profondément enraciné en chacun de nous, peu importe le niveau d'instruction. Ces causes subtiles de souffrance doivent être extirpées. Quant à leur manifestation, elles disparaissent grâce à la méditation. La souffrance provient des impressions mentales laissées par l'action. Ces impressions portent ses fruits dans cette vie-ci ou dans les vies futures. Tant que l'action laissera une semence dans le mental, cette semence engendrera de nouvelles naissances, de nouvelles vies et de nouvelles expériences. Celle-ci comporte aussi des fruits. L'action juste apporte l'allégresse. L'action non juste, le tourment. Les oppositions dynamiques des énergies fondamentales ne laissent rien de permanent, ce qui entraîne de l'angoisse et des impressions mentales génératrices de détresse. Celui qui a développé son discernement sait que tout cela est souffrance. Nous pouvons éviter la souffrance qui n'est pas encore en marche. La cause de cette souffrance évitable est le recouvrement de la conscience par sa manifestation. La manifestation est le jeu des énergies fondamentales, soit la lumière, l'action et la conservation. Ces principes s'expriment tant dans les éléments que dans la capacité de les percevoir. La manifestation n'a d'autre sens que de nous fournir l'expérience et la libération finale. Les énergies fondamentales opèrent à divers niveaux, particuliers, archétypales, causales et non manifestées.
l'observateur et pure conscience. C'est cela qui connaît les pensées. La manifestation n'existe que pour l'être. L'illusion du monde n'existe plus pour celui qui a réalisé la conscience. Mais elle n'est pas détruite pour autant, car elle continue pour les autres. Le recouvrement du soi par sa manifestation nous permet, en fin de compte, de reconnaître la nature véritable des deux. C'est l'ignorance qui nous empêche de réaliser le soi. La fin de l'ignorance est la disparition de l'identification à la manifestation. Il n'y a plus qu'une seule réalité. Nous mettons fin à l'ignorance grâce au discernement ininterrompu entre la conscience et sa manifestation. Cette pratique du discernement mène à cette réalisation. C'est la sphère de la connaissance directe. Grâce à la pratique soutenue des divers aspects du yoga, le système nerveux se purifie et la lumière de la connaissance porte le discernement à maturité. Les 8 aspects du yoga sont la discipline, les observances, l'assise, le pranayama, l'intériorisation, le recueillement, la méditation et le samadhi. La discipline consiste dans le respect de la vie, la franchise, la non-convoitise, la chasteté et la retenue. Ces grandes lois ne sont pas limitées par le mode de vie, le lieu, le temps ni les circonstances. Elles sont universelles. Les observances sont la pureté, le contentement, l'ascèse, l'auto-observation et l'abandon au divin. Quand une pensée indésirable nous oppresse, nous n'avons qu'à nourrir la pensée contraire. Les pensées indésirables sont celles qui s'opposent au flot de la vie, que nous les exécutions nous-mêmes, que nous en causions l'exécution, ou que nous le permettions chez les autres. Elles sont le produit de l'avidité, de la colère et de l'égarement. Leur intensité peut varier de légère à modérée et à forte. Le résultat est une ignorance et une souffrance sans fin. Voilà pourquoi on doit alimenter les pensées contraires. Quand nous sommes fermement établis dans le respect de la vie, toute animosité disparaît autour de nous. Lorsque nous sommes fermement établis dans le respect de la vérité, nos actions sont naturellement couronnées de succès. Quand nous sommes fermement établis dans la non-convoitise, l'abondance vient à nous.
fermement établis dans la chasteté, nous disposons d'une grande énergie intérieure. Fermement établis dans la retenue, nous pouvons connaître le sens de la vie. La pureté nous aide à nous détacher de notre propre corps et à cesser la recherche de la matière. Avec la pureté amenée par l'élévation spirituelle, viennent la gaieté d'esprit, la puissance de concentration, la maîtrise des sens et la capacité de réaliser le soi. Grâce au contentement, nous atteignons un bonheur insurpassé. Grâce à l'ascèse, nous éliminons les impuretés et nous atteignons la perfection du corps et des sens. À force de méditer sur nous-mêmes, nous en arrivons à la communion avec notre déité bien-aimée. Nous atteignons l'état de parfait samadhi en nous abandonnant totalement au divin. L'assise sera stable et facile. Pour cela, il suffit de se relâcher et de s'absorber dans l'infini. Nous ne sommes alors plus dérangés par les paires d'opposés. Nous pouvons alors développer notre énergie en pratiquant la non-respiration, le pranayama. Le souffle est suspendu après l'expiration ou après l'inspiration, selon le volume, la durée et la fréquence de répétition. Le souffle se fait prolongé et subtil. Le quatrième état de pranayama transcende les notions d'expiration et d'inspiration. Ce qui voilait la lumière disparaît alors. Le mental est désormais apte au recueillement. L'intériorisation se développe lorsque les sens ne sont plus mis en contact avec leurs objets et qu'ils atteignent la subtilité du mental. Là réside la maîtrise suprême des sens.